suis contente aujourd'hui de vous retrouver dans une petite vidéo, ou peut-être longue vidéo, je suis désolée déjà par avance, parce que j'ai fait des achats chez Sephora pour les semaines gold, j'ai fait des achats sur Beauty Bay. Oui, vous avez vu ma dernière vidéo où j'ai trié énormément toute cette partie-là et j'ai énormément trié. Je suis choquée, mais j'ai racheté quand même quelques petits trucs qui me faisaient envie. C'est pas parce que j'ai trié que je vais plus du tout rien m'acheter. C'est juste que maintenant, je vais essayer d'acheter raisonnable. Ça, c'est encore difficile. Et je vais continuer mes tris de toute façon puisque mon objectif est de vider une grande partie de cette pièce. Donc bref, trêve de blabla, et puis à la suite de la vidéo vous verrez tous les petits colis que j'ai reçus ces derniers temps et que j'ai pas forcément ouvert sur Instagram, même si j'en ouvre quelques-uns sur Instagram, il y en a que j'ouvre pas. Et à la fin de cette vidéo vous verrez l'ouverture de la Dégustabox si ça vous intéresse. Ça fait déjà quelques jours qu'elle est chez moi et d'habitude je vous l'ouvre en vlog, mais là pas la force de faire un vlog, pas l'envie, donc vous la verrez à la fin de cette vidéo si ça vous intéresse. De toute façon j'essaierai de vous mettre le timecode dans la barre d'infos. Sur mes lèvres j'ai mis un petit rouge de Hermès qui s'appelle le rouge piment 66, c'est un rouge à lèvres que j'aime énormément dans ma collection, et alors là il est pas très rouge parce qu'il est modulable, vous pouvez vraiment le moduler, et là il est un petit peu plus rouge rosé fuchsia, et après si vous mettez une bonne couche et si vous avez absolument rien sur les lèvres il est rouge rouge, c'est parce que moi j'ai mis déjà à la base un hydratant, mais je l'aime beaucoup et d'ailleurs j'aimerais beaucoup avoir d'autres produits Hermès, donc ça serait potentiellement sur une wishlist, mais quelques produits, mais voilà, des petites pépites peut-être potentiellement, si vous en avez à me conseiller d'ailleurs n'hésitez pas à me dire. On va commencer par Beauty Bay parce que c'est le colis que j'ai depuis le plus longtemps ici et que j'attendais de vous montrer pour pouvoir faire des photos, les swatcher, les utiliser, les... Enfin, voilà, me faire plaisir avec. J'ai pris la dernière palette de chez Beauty Bay, la Retro Love, donc je l'ai achetée. D'habitude Beauty Bay m'envoie des petites choses en collaboration, mais là ça fait longtemps que j'en ai pas reçu, donc peut-être que je leur fais plus assez de pub. Je ne sais pas, en tout cas c'est possible. C'est vrai que je parle un petit peu moins de beauté et peut-être refaire un peu plus de vidéos beauté. En tout cas celle-ci, bah, elle est assez bling, hein, comme ça le packaging est assez 70, années 70, vous voyez le genre. Mais quand j'ai vu un peu de vidéos sur cette palette, je me suis dit ah ouais quand même il y a des trucs sympas à l'intérieur. Il y a un peu de rosé, il y a un peu de bleu, c'est pas les couleurs que j'affectionne particulièrement mais c'est quand même assez coloré. Et puis comme d'habitude les palettes Beauty Bay sont quand même assez bonne réputation. Moi j'aime beaucoup les fards lumineux qui sont dans ces palettes là et c'est vrai que la collectionneuse en moi aime acheter leurs nouveautés comme ça, donc je n'ai pas résisté. Après elle est pas chère, à la base je crois qu'elle est à 17 €, et puis moi j'ai eu des codes de moins 25%, donc elle était vraiment pas chère. J'ai craqué pour la palette de chez Too Faced, la nouvelle palette là, et puis il y en a encore une autre qui va sortir qui me fait vraiment envie. Là je trouve que Too Faced se renouvelle parce que je crois qu'ils ont changé de propriétaire ou de président, je sais plus, et du coup je pense que ça va un peu se renouveler, donc je suis assez contente des nouveautés qui arrivent. Je l'ai pris sur Beauty Bay parce que j'avais moins 25 et qu'il n'y avait pas encore chez Sephora, c'était donc il y a au moins 3 semaines, 4 semaines, et ça fait donc un petit mois qu'elle attend comme ça, c'était même avant que je fasse mon tri que je l'avais acheté. Donc c'est la Pinker Time Ahead, et j'ai la version un peu bleu-vert qu'ils ont sorti comme ça, et du coup bah, j'avais envie de cette version-là. Donc il y a un petit bleu quand même, un petit vert ici, on a quand même des rosés, ça reste des nudes, mais l'autre version que j'ai, comme celle-ci, je l'aime beaucoup, je l'avais beaucoup utilisée quand elle était sortie. Donc je me suis dit que celle-ci j'allais me la prendre pour tester. Oula, je vais faire une catastrophe. Et dans la collection Too Faced, toujours à moins 20 ou moins 25%, j'ai pris un blush de la nouvelle collection comme ça, qui est le Cloud Crush. Pareil, tout doux les packagings. Ça reste dans l'univers Too Faced je trouve, mais un peu moins enfantin, mais encore un peu ce côté bisounours, vous savez, un peu rêverie. Et c'est ce que j'aime chez Too Faced. Et on a le blush matte Head in the Cloud. J'ai pu les swatcher hier chez Sephora et honnêtement ils sont canons. Au niveau de la texture ils sont vraiment canons, au niveau des packagings ils sont canons aussi, hein. J'adore. Et alors la teinte j'aime beaucoup, là c'est vraiment celui-ci un rose parfait, le rose à avoir absolument dans sa collection je trouve. Et j'en ai pris un deuxième chez Sephora du coup pendant les semaines gold, qui est un peu plus corail, qui est un rose un peu plus corail, donc comme ça j'en ai deux différents de la collection Too Faced. Et le pourquoi je voulais craquer, en fait, parce qu'elle était en promo, plus j'ai réussi à avoir moins 20% en plus de la promo, c'est la palette de chez Sigma, comme ça, la Alice in Wonderland. J'aimerais bien trouver celle de Cendrillon qui n'est pas sortie en France. Je sais que ma Lily, elle l'a, ma copine Lily Auré sur Instagram, elle l'a, elle, achetée aux États-Unis via quelqu'un qui fait des... Tiens, d'ailleurs, avec Chipito, j'aurais pu essayer, faudrait que j'essaie, je verrai. En tout cas, j'ai pris celle-ci, donc la Alice in Wonderland, donc Sigma associée à Disney. Elle est superbe et j'avais trop envie de la tester. Donc à l'intérieur, il y a un petit
Petite protection super. J'aime beaucoup les palettes de chez Sigma. Cette collection là, c'est vraiment des trop trop belles palettes. Et là, il y a des trop beaux verres. Je sais que chez Sigma, les fards sont très crémeux. Donc, j'ai hâte de tester celle-ci. Alors, je suis pas hyper fan de Disney ou de Alice, hein, mais quand même, voilà, je suis fan de Sigma et celle-ci me faisait énormément envie. Je vous avoue que là, j'ai été faible. J'ai été faible, mais je suis trop contente parce qu'elle était vraiment pas chère. On passe ensuite à Sephora. Donc, je suis allée faire un tout petit tour en magasin vraiment rapide. Donc, j'étais pas en grande forme, j'avais pas envie d'aller passer des heures et des heures. J'avais pas une grande wishlist chez Sephora pour les journées gold parce que j'avais 2-3 trucs qui me faisaient envie. Et finalement, en magasin, j'ai craqué pour 2 trucs en plus que je n'avais pas prévu. C'est pas grave. Comme en ce moment, au niveau de mon teint, j'ai un peu du mal. J'ai la peau très très sèche. J'ai décidé de reprendre cette eau de teint de chez Chanel que j'adore. Je vous en ai parlé 500 milliards de fois il y a un an. Tous les ans, en fait, j'en parle. Et alors, le prix, il a augmenté de fou, de fou, de fou. Il est à 74 € ce truc. J'étais choquée, en fait, quand je passais en caisse. Même avec moins 25%, il est revenu, du coup, à une 50aine d'euros. Bah, je me suis dit, quand même. Donc, je vous explique. C'est une eau de teint, comme ça, avec... alors, seuls qui ne me connaissent pas verront. C'est une sorte de liquide transparent avec des petites perles à l'intérieur qui vont éclater au moment de l'application sur le visage et qui vont teinter votre peau et qui vont la rendre un peu plus jolie, mais de façon quand même très naturelle. C'est une sorte de bébé crème, on va dire, je sais pas trop, j'arrive pas à... Je trouve que le mot eau de teint lui va bien parce que c'est une sorte d'eau qui va teinter votre peau, qui va unifier votre peau, mais ça va pas cacher toutes vos imperfections. Si vous avez vraiment beaucoup d'imperfections, c'est pas possible, ça va pas cacher. C'est vraiment pour donner un peu cet effet bonne mine quand vous avez un peu la peau légèrement bronzée. Donc je l'ai pris en light medium parce que le light me paraissait clair. Je vais pas l'utiliser tout de suite, je vais l'utiliser surtout bon, vers avril, mai, quand mon teint se sera un petit peu réchauffé. Mais je le voulais dans mes stocks parce que c'est un produit que j'aime énormément. Et en ce moment, comme j'ai la peau sèche, je sais que c'est quelque chose qui va hydrater ma peau et qui va pas marquer mes sécheresses. Donc je l'ai repris, c'est un must-have, c'est juste qu'il est cher. Après c'est Chanel, hein, mais... Chez Too Faced, comme je vous ai dit, j'ai pris un deuxième petit blush parce qu'en swatchant, je me dis, ah ouais, celui-là il est canon aussi, c'est le Velvet Crush. Et celui-ci là, il tourne un petit peu, donc toujours même packaging, trop mignon, hein. Et je crois que la couleur, j'ai l'impression qu'elle change selon la teinte que vous avez prise. J'espère que je vous dis pas de bêtises, mais on dirait quasi le même. Enfin, ils ont pas beaucoup de différence, hein. Mais celui-ci, il a des petits sous-tons un peu plus corail, alors que l'autre, il a des sous-tons plus roses, légèrement mauves. Donc c'est pour ça que je l'ai pris. Je l'utilise complété, comme ça je pourrais utiliser ces deux-là dans les beaux jours là, qui arrivent. J'ai trop hâte de les tester du coup. Chez Too Faced, alors j'ai beaucoup craqué chez Too Faced et j'ai pris, donc celui-ci c'est un must-have que j'adore, je l'ai déjà acheté 3 fois, je l'aime énormément, d'ailleurs c'est grâce à la carte cadeau que les parents d'élèves m'ont offert que j'ai pu acheter ces petits produits-là à moins 25%, et du coup je me suis pris celui-ci qui est un crayon pour les yeux, liner quoi, crayon Kohl, expresso, la teinte expresso qui est un marron foncé que j'adore, 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 j'utilise tout le temps en muqueuse, à l'intérieur aussi, en haut de mon œil. J'adore faire des petits traits de liner comme ça dessus. J'adore. Et là, le mien, il est tout petit comme ça. Je l'utilisais jusqu'au bout, mais avec les moins 25%, je suis contente de l'avoir repris. Et le fameux baume pour les lèvres Too Faced que j'aime énormément, que j'achète tout le temps, tout le temps, tout le temps. J'arrive pas à résister à ce baume. En fait, c'est le meilleur que j'ai. Là, en ce moment, je suis en train de tester hein, de chez Dior. Il est bien, mais il détrône pas mon Too Faced. Du coup, bah, j'aime bien en avoir toujours en stock. C'est le baume que je mets tous les matins, en fait, avant d'aller... à l'école ou avant de me maquiller, voilà. Dès que j'ai mis mes soins, je mets ce baume là sur mes lèvres et je trouve que j'ai des belles lèvres avec... Il hydrate bien mes lèvres toute la journée. Je le mets pas le soir, en revanche j'ai un autre baume pour le soir, mais celui-ci pour la journée il est top. J'ai acheté un cadeau d'anniversaire pour mon mari, mais on ne dira rien, hein. Ça reste secret, je l'ai caché parce que on ne sait jamais s'il le voit. Et je me suis acheté le nouveau Yes I Am comme ça. D'ailleurs ici, je sais pas si vous verrez, il y a tous les autres Yes I Am ici que j'ai sorti parce que j'aimerais bien les utiliser un peu plus. Et le nouveau, il s'appelle le Blue Meat. Et ça, c'est à cause de ma copine Emma, Emma Cup, sur YouTube et Instagram, qui m'a dit, ah, le nouveau Yes I Am, il a l'air trop canon et tout. Je me suis dit, ouais, bah, je vais aller le sentir, en fait. Et j'aurais pas dû. Parce que c'est vrai qu'il a une odeur un peu framboise, fruitée, qui change des autres. Et du coup, je suis assez contente. Et pour une fois, comme j'étais dans un Sephora qui le faisait, je l'ai fait graver, c'était gratuit, est-ce que vous voyez? Donc j'ai mis mon prénom dessus, oui c'est un peu cucu mais c'est pas grave, voilà, c'est mon auto petit cadeau, Sephora il propose ça, donc sachez que vous pouvez faire graver vos parfums dans certains Sephora. Vous pouvez mettre un petit mot doux comme je t'aime, bonne fête, etc. Mais moi comme c'était pour moi-même, j'ai juste mis mon prénom, je voulais mettre mon pseudo mais c'était un peu long quand même.
En tout cas voilà, le Bloom comme ça, il va aller compléter ma collection et il sent vraiment très bon. Vraiment cette odeur un peu fruitée. D'ailleurs, je me suis pas parfumée ce matin exprès pour pouvoir l'utiliser là. Et j'ai trop hâte. Ah ouais. Vraiment cette odeur de framboise là, ça me réconforte le cœur, vraiment. Et avec ça, j'ai eu des cadeaux gold. J'ai été super gâtée. Donc j'ai eu une miniature de parfum Givenchy comme ça, qui est l'interdit de Givenchy. En plus, je crois que je l'ai pas cette miniature, ça me dit rien. Il est comme ceci. Donc je suis trop contente. Ça, c'est trop cool. J'ai eu justement pour le parfum, en fait, le parfum Yasayam, vous pouvez changer les bouchons. Et j'en ai un en version tout jaune comme ça. Donc ça, c'était en cadeau aussi. Ma Sephorette adorée m'a offert cette petite trousse Sephora avec à l'intérieur 3 ou 4 produits. En plus, c'est trop cool parce qu'il y a des trucs que je connais pas. On a le petit démaquillant comme ça, donc pour emmener en vacances et tout, c'est trop cool de chez Sephora. Un petit masque comme ça, vitamine E de chez Sephora, donc trop bien. On a un super hydratant jour, hydrate et éclat comme ça, qui est quand même un beau format de 30 ml. Et alors celui-là, je le connais pas, c'est le Beautiful Lash Care, un volume cils à cils, plus denticité, donc un mascara noir j'imagine. Ou c'est juste un soin qui va booster. Ah non, c'est bien un noir. Donc ça, je suis trop contente. Ça, c'est un petit cadeau. Alors d'habitude, je suis pas fan d'avoir des produits Sephora. Mais là, c'est des trucs que je connais pas. Et le mascara me plaît beaucoup. Et alors, dans le pochon gold, j'ai eu quand même des cadeaux de dingue. Et en fait, si on dépassait les 100 euros, on avait le Diamond Light de chez Too Faced en cadeau. Un highlighter éclat. Donc, il est pas ouvert. Voilà, j'ai ouvert la petite merveille. Donc ça se présente comme un écrin. J'en ai déjà un de cette gamme-là, mais c'est pas celui-ci. Donc je suis trop contente, il y a écrit It's your time to shine, c'est le moment de briller. C'est la teinte Fancy Pink Diamond. Ils sont magnifiques. Les voici. Oh là là, je trouve que c'est quand même un beau cadeau. Alors il est très rosé celui-ci, moi j'en ai un qui est un peu plus argenté, mais je l'aime beaucoup. C'est juste que les packaging sont très gros et très imposants, c'est tout, mais j'avais gardé dans ma collection. Et vous savez, comme je suis fan de Too Faced, du coup bah je suis trop contente d'avoir ce cadeau-là. Et en plus, dans le petit pochon, il y avait un petit masque au concombre comme ça. J'ai eu un petit... Comment ça s'appelle? Un petit rouge à lèvres Givenchy, parce que j'ai acheté un gros produit Givenchy, mais qui n'est pas pour moi, du coup, que je ne vous ai pas montré. Mais en cadeau, j'ai eu un petit rouge à lèvres Givenchy. Et ça, j'adore les minis, c'est hyper rare que j'ai des minis. En plus, c'est une trop belle teinte, regardez. C'est un petit nude rosé, là, c'est la teinte 2D21, le rouge interdit, 116. Ouais, c'est le 116 Intense Silk. Trop bien. Ça, il est canon. Toujours dans le petit pochon, j'ai eu un nettoyant pour le visage Pixi, comme ça, en petit format. Ça, j'aime bien pour emmener en week-end. Un fond de teint éclat parfait de chez Giorgio Armani, mais je ne sais pas la teinte. Donc, il faudra que je teste à la teinte 12. À voir si ça me va. Petit sérum Belief. Trop bien. Sérum Belief, comme ça, à la vitamine C. Je ne connais pas les sérums Belief. Et un autre petit produit Belief, comme ça, l'Aquabon, comme ça. Trop cool. Bah, plein de petites merveilles à tester. Donc, trop contente. Ensuite, on va passer à la box, My Little Box, qui est trop sympa, vraiment. Et ça fait plusieurs temps que je l'ai reçue. Vous avez toujours mon code promo qui est valide. Je vous remettrai bien sûr tous les liens et les codes promo si j'ai dans la barre d'infos. Et donc là, c'est une collab entre My Little Box et Caudalie. Honnêtement, la trousse, elle est punchy, elle est très printanière, elle donne trop envie. Un peu de texture, un peu comme une serviette, je sais pas comment vous dire, mais c'est un peu ce style de texture. Je la trouve trop canon et j'ai bien hâte de découvrir ce qu'il y a dedans parce que j'avais beaucoup aimé certains produits roses de la gamme de Caudalie. Alors, je sais plus c'était quelle gamme exactement, mais c'est ceux qui sont rose pâle. Et là, ouais, je suis trop contente, ça va être la même gamme. Vino Source Hydra Sérum Hyaluronique SOS. Trop contente, je crois que je l'ai déjà testé, que j'avais beaucoup aimé dans mes souvenirs. Ouais, c'est le même. Et ça, c'est un bon produit quand même dans une box. Trop cool. Canon. Oh là là, mais elle est magnifique cette box. Et on a deux petits produits comme ça, toujours de Caudalie, Veno Source Hydra. La crème sorbet et le masque crème sorbet. Trop bien. Oh, on a un petit ticket. It's spa time. Vous avez moins 15% avec le code I Feel Pink sur le spa, j'imagine, qui est le plus près de chez vous. Il y en a un d'ailleurs à Lille. Je ne savais pas, donc je vais regarder ça de plus près. Ça peut être intéressant comme auto-cadeau. On a la petite présentation de la box et on a un gros produit comme ça. Vraiment, teinte framboise comme ça, c'est trop beau pour un teint à faire pâlir une framboise. Ice Globe Massant Yeux et Visage.
trop bien. Vous savez, les fameux... Alors, j'en avais acheté chez Action, mais je les ai toujours pas testés, d'ailleurs. Donc, vous les mettez au frais, d'après ce que j'ai compris. Et après, vous pouvez, du coup, vous masser le visage comme ça, surtout le contour des yeux. Et je pense que moi, j'en aurais bien besoin. Et trop canon. Et il y en a deux, du coup, pour vos yeux, votre visage. Alors, voilà, vous faites plaisir avec. C'est un beau cadeau. Vraiment, c'est une belle box. Je sais pas ce que vous allez en penser, mais je la trouve canon. Et rien que le sérum, moi, je suis conquise. Rien que pour le sérum, je suis trop contente. Et toute l'intérieur de la box était décorée, hein, donc j'avais pas trop regardé pour pas me faire spoiler, mais vous voyez, toute l'intérieur était canon aussi. Chez Blissim, on a une box, comme d'habitude, le petit format Together Agathe Marty, bah, pour Blissim. J'aime beaucoup le style un peu comme ça, verdoyant, toujours printanier. On a donc, on a l'air d'avoir une collaboration avec une association Solidarité Femmes Fédération Nationale. Et bah ça c'est sympa, on a l'air d'avoir des petits produits sympas à l'intérieur. Et on a une petite box qui a l'air assez sympa. On a le petit multi-baume comme ça, multi-usage, les petits prodiges au CBD. Ça je suis un peu moins fan, c'est un baume qu'on a déjà eu l'année dernière et que j'ai jamais vraiment utilisé. Je sais que c'est un baume que vous... il sent fort. On peut l'utiliser un peu partout pour se démaquiller, pour les zones sèches, etc. Mais je suis pas hyper fan du produit, du packaging non plus. On a de la marque Davines Love un smoothing shampoing, donc un shampoing lissant pour cheveux rêches et indisciplinés, ce qui n'est pas mon cas. Donc ça ne me servira pas, mais vous savez que tous ces petits produits-là, ça va filer dans le gros concours que je suis en train d'organiser dans ma vidéo tri justement, où je vous donne un petit mot bonus pour pouvoir gagner un lot qui était vide à la base, mais là il est extrêmement bien rempli, hein, vraiment. On a un rien que pour vos seins. De l'huile pour les raffermir les seins, ah, ça c'est cool, de la marque Mira. Ça c'est un beau produit et c'est une marque que je découvre de plus en plus dans les box. Et pour les seins, avec les beaux jours qui arrivent, quand on va sortir un peu les t-shirts et tout, ça va être cool. Alors un produit qui s'appelle Blushed Beauty First Skin Always, donc d'abord la beauté, la peau, toujours. Ah, c'est un mascara. Alors la brosse, ça m'a l'air pas terrible, hein. Je sais pas si vous verrez, mais elle a l'air un peu écrasouillée. Écoutez, à tester, mais je ne connais pas, mascara qui a l'air d'être noir, donc cette marque là, je sais pas si vous connaissez, Blushed. Et le petit produit sympa de la fin, c'est un nettoyant glycolique forming de chez Mario Badescu, et ça c'est cool, un petit format qui est plutôt généreux, donc ça je suis contente, je vais l'utiliser, ça je vais l'utiliser très très vite. C'est un peu moins fun que la box juste avant, mais elle est pas mal. C'est pas la révélation, mais elle est pas mal du tout. Je suis contente d'avoir le petit produit et ça reste dans le même esprit. Hein. Je trouve que l'ambiance de la box est en correspondance. On reste sur quelque chose de printanier. Donc chez Beautiful Box, donc là on a que des produits full size et bio. Le thème de ce mois, c'est peau neuve, embrasse ce changement de saison rempli de bonnes énergies vertes. Donc là on est sur du... ça sent bon, je sais pas ce que ça sent mais ça sent bon, très vert, on a toujours les petites cartes qui nous disent un petit peu à quoi correspondent les produits. Oh, on a un vernis là, mais non, trop canon, j'aime trop, regardez-moi cette teinte de vernis, elle est trop belle, elle va trop bien dans le thème en plus, c'est un joli vert, il est trop beau. Bon, si vous entendez mes enfants jouer, ils sont avec des copains donc ça fait plus de bruit. On a de la marque Coslis, et ça je suis trop contente, une crème main et ongles réparatrice à l'amande douce de Provence. Ça c'est trop cool. Donc ça, vraiment contente. On a une petite boîte verte comme ça de chez Beautiful Box. Alors qu'est-ce que c'est? Oh mais non, c'est trop canon. Regardez ça. C'est une petite bague ou c'est une petite... Ouais, oh là là, j'adore. Voilà, vous pouvez la mettre ici. Vous pouvez la mettre aussi après à votre doigt normalement comme une bague, hein. Mais j'aime beaucoup. Alors elle est dorée, hein. Mais je la trouve trop canon. Ah, on a un petit produit qui a coulé. C'est peut-être ça qui sent fort du coup, un lait soyeux à l'amande et à la spiruline de la marque Hydratation. L'étiquette est... Alors c'est dur de voir du blanc sur du... Vous voyez, sur une espèce de vert comme ça clair. Donc il en reste vraiment pas beaucoup, hein. Il en reste que ça parce qu'il y a une bonne partie qui a coulé, on dirait, dans le pot. Mais bon, ma foi, c'est pas grave. Et donc c'est un soin hydratant qui a l'air plutôt pas mal à l'amande et à spiruline. Donc ma foi, il va falloir que j'utilise très vite parce que... Alors comme ça, ça sent pas l'amande. Mais l'odeur est pas désagréable, c'est une petite odeur très légère. Donc ça on testera parce que comme il est déjà ouvert, il me vaut le finir rapidement. On a un nettoyant visage à l'argile verte de la marque Miracle des minéraux, pardon, je cherchais. J'aime beaucoup le design là, je le trouve très sympa, ça me donne envie. Et alors on va regarder la tête du produit, donc forcément à l'argile verte c'est un petit peu vert. Ah j'aime beaucoup, ah j'aime trop l'odeur. Ah j'aime trop l'odeur, ça m'a donné l'air d'être un nettoyant qui a l'air d'être top parce que l'odeur à moi elle me donne déjà envie de
voyager et c'est l'argile volcanique verte. Il y a de la figue de Barbarie à l'intérieur, c'est peut-être cette odeur-là qui me plaît bien. Ouais. Et il y a de l'huile de coco, sachez-le. Oh, ça me donne trop envie. En ce moment, j'ai trop envie de me mettre à une routine vraiment quasi que dans ce style-là. Mais c'est dur parce que j'ai beaucoup de stock. Et le dernier produit reçu, c'est le soin lavant matcha, rituel douceur quotidien de la marque Masato. Et ça, c'est trop cool. Alors, j'aime pas trop les soins lavants comme ça, puisque moi, j'ai une routine spécifique boucle. Mais de temps en temps, j'essaye de changer le shampoing parce que sinon, mes cheveux s'habillent trop. Et après, j'ai des irritations. Ça sent bon, j'aime bien, ça me donne vraiment envie d'être en été. Là c'est des box qui me donnent vraiment envie d'être en printemps et en été, le soleil, ça donne trop envie. Écoutez, cette box, j'aime bien, là il n'y a pas de déception dans cette box là. J'ai reçu aussi la box Nuo, alors je sais pas pourquoi je la reçois maintenant, mais tant mieux, je suis contente. Donc c'est une petite box que vous pouvez retrouver sur le site Nuo Box. Et ça fait 3 mois, 4 mois que je la reçois, donc c'est sympa. Alors c'est pas tout le temps la révélation, le mois dernier j'ai pas trouvé folle. Mais on va voir ce mois-ci. Alors, voilà, toujours dedans le petit magazine, on a des petits prospectus, des petites cartes que je trouve canon, la petite carte d'ailleurs. Des petites réductions sur le site Nuo. Et on a le magazine qui s'appelle Pépite, où vous pouvez découvrir toutes les pépites qui sortent sur le site Nuo Box. Alors on a un produit que j'ai déjà en 2 exemplaires, donc c'est le troisième. C'est le gommage sorbet de Patika, mais c'est une marque que j'aime énormément, qui exfolie, qui révèle l'éclat de la peau et qui lisse la peau. Et je l'ai testé, je l'aime beaucoup. De la marque Madara, on a ce petit fond de teint. Bon, c'est un petit format de 5 ml pour tester, c'est une teinte. Écoutez, on verra, Rose Ivory 30. Mais je crois que c'est le fond de teint bio le plus connu qui avait fait un petit peu parler de lui. Je crois. Donc pourquoi pas tester, c'est quand même un fond de teint sympa pour tester. On a un petit format Light Up Sérum Unifiant Illuminateur de la marque Olution. Ça c'est une marque que j'aime beaucoup. Donc ouais, ça je serais susceptible de l'utiliser. Là comme ça j'aime bien les sérums illuminateurs. Et un dernier produit, c'est une marque sympa. En plus j'ai des produits de cette marque, il faut que je mette dans ma routine cheveux. John Master Organic. Et là c'est un masque pour les cheveux à l'abricot et à la rose. Donc ça c'est trop cool et comme j'ai déjà une petite routine comme ça en miniature, je le rajouterai dans ma routine pour pouvoir l'emmener pendant les vacances. Écoutez, c'est pas la révélation mais j'aime bien les produits, il y a quand même John Master qui est pas une marque tout à fait donnée. C'est des produits évidemment bio, éco-certes, avec voilà, une meilleure compo que d'autres marques. Donc je suis assez contente. Et avant de passer à la Dégustabox, je vous montre les petits produits que j'ai reçus du style Stylvana. Alors je n'ai pas pu choisir mes produits sur Stylvana puisque maintenant ils font des sortes de box un peu soin du visage et j'aime beaucoup les soins du visage Stylvana, mais mon problème c'est que quand je ne sais plus la référence, je ne sais plus ce que, comme tous les packagings sont en coréen et tout ça, bah c'est un peu galère de fait de se rappeler à quoi il sert quand on ressort dans ces placards. Mais écoutez, je vais découvrir des nouvelles choses et si ça ne m'intéresse pas, comme d'habitude je vous les mettrai dans les concours. Donc là c'est un toner essence onion new repair. Donc c'est une sorte de toner comme ça, je vais pas l'ouvrir parce que de la marque Innisfree, donc c'est une marque que vous trouvez chez Sephora d'ailleurs. Donc c'est un toner à base d'oignon, on dirait, avec de l'extrait de bulbe d'oignon. Et alors ça, c'est calmant pour les peaux et ça donne une barrière pour protéger votre peau. Ça peut être intéressant, vraiment ça m'intrigue. Je ne sais pas si j'utiliserai, mais ça m'intrigue. En deuxième position, alors comme je vous dis, c'est des produits que je n'ai pas choisi, donc je ne sais pas. À base de niacinamine, un réducteur de pores, et c'est de la marque, je ne sais pas. Vraiment là, je ne sais pas le nom de la marque, je vous laisse le lire. Mais ça a l'air d'être un petit réducteur de pores. Ah, comment ça se présente? Ah, c'est un produit tout noir. Comme ceci. Alors, faut voir comment ça... Il y a du Natural BHA 2.1 à l'intérieur. Ça réduit l'apparence des pores et la texture de la peau. Est-ce que ça s'utilise en base, en crème hydratante? Je ne sais pas. Si je peux, je vous mettrai les liens dans la barre d'infos si je les retrouve. Enfin, des fois, je les ai pas forcément. On a un... soin, une sorte d'essence calmante pour la peau qui s'appelle Habib. Bon, c'est tout scellé. Je sais pas à quoi ça ressemble parce que c'est tout scellé. Est-ce que j'utiliserai? Je ne pense pas. Mais je vous le montre si ça vous intéresse et je vous le glisserai dans le concours. Ah, ça, je suis contente. C'est un baume démaquillant, je crois. Ouais, c'est ça, un baume démaquillant de la marque All Clean. Je l'ai déjà. Et là, c'est une autre version qui a l'air d'être au mandarin. Ça, c'est des jolis baumes. Vraiment, ils sont canons, leurs baumes. Hyper beau et je crois que dans mes souvenirs il y a un premier placard entre guillemets où vous avez la petite cuillère et après vous avez l'opercule, vous ouvrez, vous avez accès au produit et le packaging est très très pratique pour mettre sous la douche et tout. Moi j'aime beaucoup et c'est un démaquillant qui s'utilise tous les soirs hein.
Donc ça, trop contente de l'avoir. On a... Regardez-moi ce packaging. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Mais c'est trop canon le packaging, j'adore. Un hydrogel Eyes Multi-Patch. Ah, trop cool. Donc des patchs hydrogel pour mettre sur le visage. Mais non, ils sont canons. Est-ce qu'ils sont comme ça? Est-ce que j'aurai cette tête-là quand je vais mettre ça? Vas-y, j'ouvre. Ah, c'est tout fermé, c'est tout fermé. Ça m'intrigue quand même. C'est ultra protégé, regardez, il y a une opercule pour protéger. Et ensuite, vous avez la petite cuillère. Et en dessous, vous avez l'accès au patch. Eh ! Oh, c'est trop mignon. C'est tout vert brillant, là. Oh là là, c'est pailleté. Je sais pas si vous verrez, mais c'est vert et avec des paillettes dorées dessus. Oh, ça, je vais tester. Vous verrez ça sur Insta, je pense. Mais, oula ! Ça coule un peu parce que Karine, évidemment, elle fait ça tellement bien. Je vais utiliser ce qui a coulé sur mes mains. Ça va hydrater la peau. Il n'y a pas d'odeur particulière. Ça sent vraiment, vous savez, ces espèces de soins que vous mettez comme ça, les cheat max, etc. Ça sent pareil. Mais écoutez, si ça hydrate... En plus, je crois que j'en aurais vraiment besoin parce que là, mon contour de l'œil est ultra méga déshydraté. Et il nous reste deux produits à l'intérieur. Alors, on a Time Revolution, un Night Repair en ampoule comme ça. Ça, ça m'intéresse. De la marque Misha en plus, donc une belle marque sur les sites coréens, qui est une marque, on va dire, pas de luxe, mais un peu plus luxe sur les sites coréens. Est-ce que je vais y arriver? Ah ouais, il est canon, regardez-moi ça. Il est canon, donc Night Repair, donc un réparateur pour le soir, Extreme Biome 77.2, ampoule x5. Alors je sais pas ce que ça veut dire ampoule x5, mais en tout cas, le packaging est canon. Ça, ah ouais. Je vais le glisser aussi dans ma routine, j'en aurais bien besoin. Et le dernier produit... Essence Sun Pack. Ah, c'est un... Trop beau aussi le packaging. Est-ce que c'est un... Est-ce que ce serait un fond de teint? Je ne sais pas. Donc un peu cushion, vous savez, comme ça. Vous avez la petite toupette, vous ouvrez. Ah non, je ne sais pas, regardez. Est-ce que c'est une base alors? C'est trop beau en tout cas. J'ai regardé ce que c'est exactement avant d'y toucher. Mais ce serait peut-être potentiellement une petite base pour le visage de la marque VT. En tout cas, vraiment leurs produits coréens, il y a des marques, c'est vraiment des... Déjà, je sais que les soins sont canons pour votre peau, mais alors il y a des fois des produits comme ça qui sont trop en mode luxe pour des plus petits prix que ce qu'on a chez nous. Écoutez, quand même, c'est une belle sélection, Sylvana. Je vous invite toujours à aller retrouver mon code promo dans la barre d'infos si vous voulez aller craquer sur ce site-là. Il y a vraiment plein de produits. Le maquillage, petit prix. Il y a plein de marques que j'adore sur ce site-là. Mais ça fait longtemps que j'en ai pas reçu. Mais là, je suis contente de cette sélection, quand même. On passe à la Dégustabox pour la fin. Et alors, quel est le thème de ce mois de mars? Soirée télé. Écoutez, c'est un thème qui me plaît. Oh, c'est trop mignon. Ah bah tiens. Voilà. Du saucisson. Bon, c'est pas pour moi, ça va être pour ma copine Sarah. La marque Cochonou. Mais écoutez, je pense qu'elle va être contente. Hein. Sarah, tu confirmeras en commentaire, mais je suis sûre que ça te plaira. Mais ça, c'est trop cool, regardez ce qu'on a eu. Mais c'est canon, ça. En plus, praliné, les croquants. Tout ce que j'aime, de chez Milka. Trop contente. Et on a des trop beaux produits, là, mon mari, ça fait une semaine qu'il me dit, mais quand est-ce que tu ouvres ta Dégustabox, là? Je suis contente. On a des BN Cœur Gourmand, noisette et chocolat au lait. Ça a l'air trop bon, ça. Toujours de chez BN, on a ceux-là. Et c'est des nouveautés qui ont l'air trop sympas. Tarte au choco. Tarte choco, choco noisette. Ouh là là, ça je pense qu'ils vont être contents mes enfants. On a des popcorn. Alors, de la marque Rigopop. Rigopop. Donc ça c'est des popcorn sucrés. Donc très sympa. Ça c'est des mustards, on va les manger sans problème. On a des raviolis pur bœuf comme ça en format un peu emmené partout et à chauffer au micro-ondes en 2 minutes, c'est prêt. Ah, c'est vraiment pour dépanner, on va dire. D'ailleurs là on en a un deuxième paquet. Est-ce que c'est le même? Le mercredi c'est ravioli. Bon, de rire la phrase. Ça, c'est pas un slogan ça d'avant. Bon, en tout cas on en a deux paquets. Ça je suis contente, on a des oignons frits comme ça de la marque Kin. Je ne connais pas cette marque, mais... Ah ouais, mais c'est goût bacon. Bah non, ça va pas être pour nous, alors. Ça va être pour ma copine Sarah aussi. C'est bien, Sarah, tu as des trucs pour toi, là. Ah, ça, je suis contente. On a eu de la soupe moulinée, légumes du potager de chez Liebig, comme ça. Alors, il est un peu déformé, le pot, mais j'aime bien ces formats-là. Je sais que c'est pas très écolo avec les bouteilles en plastique, mais c'est quand même super pratique. Et pour finir, une petite bouteille de bière, je pense. Brassin de printemps, comme ceci, qui a l'air d'être de la marque Greenbergen. Alors, je connais pas, sinon, ouais, ça a l'air d'être une bière normale. Hein.
Donc peut-être c'est une nouveauté, je ne sais pas. Mais ça, je vais la donner aussi à ma copine Sarah pour son frère. Sur ce, eh ben écoutez, cette box, j'aime bien. Malgré les produits à base de porc, c'est dommage parce que ça correspond à tout le monde. Je suis contente de tout le reste. Ça, je vais aller m'empresser d'aller faire un cappuccino et d'en manger quelques-uns. Mais assez conquise de cette box-là. Vous me direz en tout cas ce que vous avez aimé dans toute cette unboxing. Si vous aussi vous avez craqué sur Beauty Bay ou sur Sephora ces derniers temps. Si vous avez commandé certaines box comme ça. Est-ce que vous êtes abonné à des box? Dites-moi tout ça dans les commentaires. J'attends vos retours avec impatience. Et ben, je vais rajouter des petits produits dans votre fameux concours. Alors, pour celles qui ont suivi mes vidéos, ma vidéo tri. Ça c'est pour vous tout ça. Et je vais encore rajouter des petites choses. Donc ça c'est un gros concours à gagner dans ma dernière vidéo. Sur ce, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très très vite. Je vous invite à liker cette vidéo, à vous abonner. Et on se retrouve dans les commentaires. Salut !